Ce bulletin des conditions de sentier de motoneige vous est offert par l'Association des motoneigistes du Québec. En collaboration avec l'hôtel Four Points Sheraton de Lévis. Nous sommes à la mi-saison et malgré les caprices de Dame Nature, les motoneigistes pourront profiter d'une belle fin de semaine. Pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, l'état des sentiers varie de bon à excellent. Cependant, le secteur de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie est partiellement ouvert. Soyez prudents en raison des bourrasques de vent. Il peut y avoir des lames de neige dans les sentiers à découvert. Quant à Lanaudière et la Mauricie, tous les sentiers ont été surfacés et les conditions se sont améliorées, allant de bonne à excellente. Prudence, il y a encore des plaques de glace à quelques endroits. Pour la région des Laurentides, une magnifique fin de semaine s'annonce pour les motoneigistes. Tous les sentiers ont été retravaillés et sont dans d'excellentes conditions sur fond durci. Toutefois, le club de motoneige Les Sultans de Mont-Laurier tient à vous aviser que le pont de glace sur le lac des Îles est fermé à la circulation. Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches vous offrent cette semaine des conditions variant de bonne à excellente. Cependant, certains sentiers sont glacés par endroits. Redoublez de prudence. Ne manquez pas la présentation du Snowcross cette fin de semaine au Sheraton de Lévis. En Abitibi-Témiscamingue, tous les sentiers sont ouverts et la qualité des pistes est de bonne à excellente. Pour l'Outaouais, tous les sentiers ont été surfacés et sont en bonne condition. À noter, le sentier de Fort Coulonge à Maniwaki est toujours fermé en raison de travaux forestiers. Il n'y a malheureusement pas d'amélioration pour la région de la Montérégie, où les sentiers sont pratiquement tous fermés. Seuls les sentiers de Saint-Lazare-de-Vaudreuil, d'Alousie Station et de Hudson sont praticables. Et bonne nouvelle pour le centre du Québec, tous les sentiers sont maintenant rouverts et leur qualité est de bonne à passable. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, la Côte-Nord, les sentiers ont été retravaillés et les conditions sont de bonne à excellente sur fond durci. À Saguenay, la 5e édition du Snowcross SCMX se tient cette fin de semaine. L'Association des motoneigistes du Québec vous demande de rester dans les sentiers. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de propriétaires riverains concernant des motoneigistes délinquants. N'oubliez pas que les droits de passage sont fragiles. Il faut les préserver. Suivez-nous sur Facebook avec plus de 7000 adeptes ou sur notre site admdq.org. Devenez membre de l'Association des motoneigistes du Québec au coût de 20 $ et recevez à domicile le magazine Sport Motorisé, tout en profitant d'escomptes aux membres chez certains de nos partenaires. L'Association des motoneigistes du Québec, la voix de tous les motoneigistes.